Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouvelle vidéo, nous sommes encore une fois de plus sur notre jeu mobile préféré, hein, Dokkan Battle les amis, et vous aurez remarqué certainement que l'overlay a changé, oui, suite à le passage des 30 000 abonnés tout simplement. J'ai décidé de changer comme d'habitude, hein, pour les 10 000 j'avais changé, pour les 20 000 j'avais changé, pour les 30 000, et bien voici l'overlay qui sera utilisé lors des prochaines VOD, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous aimez ou pas, et de toute façon je pense que même si vous n'aimez pas, ça sera l'overlay qui sera utilisé jusqu'au moins les 40K, donc on en a pour à mon avis encore quelques mois devant nous, et donc du coup aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, l'objet de cette vidéo pour la toute première avec cet overlay sera de réussir à proquer toutes les transformations des personnages ici présents. Donc je suis en catégorie transformation fortifiante, donc en double bout MF. Qu'ils aient des doublons ou pas, on s'en fout, mais totalement. Et là par contre, évidemment, en première unité, nous avons El Famoso Rosé, le Blagoco Intelligence, qui lorsqu'il sera transformé sera le BG le plus ultime de la team. Le Gogeta Blue, sa transformation lui elle est vraiment pas compliquée à proquer, clairement à mon avis ça sera plus ou moins simple. Broly DBS également, franchement je pense même qu'actuellement sur la version globale c'est les deux persos avec les transformations les plus simples à proquer, vraiment. On a ensuite le Migaté, alors lui je sais pas si on va y arriver ou pas, on va faire en sorte de se donner les moyens d'être en dessous les 50% HP, et pour terminer nous avons le Vegeta Blue Evolution, donc lui va falloir compter un petit peu sur la chance, mais franchement si j'y arrive dans cette vidéo à proquer toutes les transformations, j'aurai réussi mon objectif. C'est le challenge d'aujourd'hui tout simplement, vu que c'est une transformation et qu'on a entre guillemets transformé un petit peu le design des VOD. Et bien nous sommes partis, nous allons affronter l'événement de Bou Multiforme, hein, bah oui hein, on part en double lit catégorie Bou Multiforme, donc on utilise le Dokkan Event de Bou Multiforme. En plus bien évidemment c'est un Dokkan Event qui est plus ou moins assez long, et puis il fait pas mal de dégâts, donc ça va être plutôt quand même je pense assez intéressant. Au niveau des rotations on se fiche totalement de ce qu'on va faire, donc s'il y a des pro players de Dokkan ici qui vont me dire oui mais avec lui t'avais 4 liens de ki alors que là tu le fais une rotation où t'en as seulement que 2, c'est pas opti, c'est pas grave, moi mon objectif c'est de réussir à tout réussir à transformer. Une fois que ça sera fait bah je serai très content, donc on va faire tanker le Blagoco Intelligence ici, je pense que ça me paraît être une très très bonne option, et on va éviter de faire partir en attaque spéciale tous mes personnages. De toute façon vu qu'ils partent en attaque spé ou pas ça changera pas grand chose, vu qu'on n'arrivera jamais à faire le kill de toute manière, donc ça commence bien. Déjà là pour proquer la transformation de Migaté, on a déjà de quoi partir en dessous les 50% HP plus ou moins, le Broly DBS qui va certainement réussir à partir en transformation très 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 facilement, hein, qu'on se le dise. Je suis hyper content, en vrai là je sais pas si ça se ressent, mais le fait d'avoir un espace plus large en fait pour la cam, bah ça fait de moi en fait que vous me voyez de plus près en fait. Alors peut-être que pour certaines personnes c'est pas forcément plus opti, il y a des gens peut-être qui préféraient voir le gameplay en plus grand, je sais pas, en immense comme ça, mais je peux pas. Et c'est vrai que le fond d'ailleurs de ce design est plutôt... Alors je sais même pas pourquoi je l'ai choisi en vrai, ça, c'est un mélange de nuages, de lave et de cerisier, genre ici là, ici, ouais là, et ben il y a un cerisier et je trouve ça très très stylé, donc c'est en rapport avec le Japon, vous imaginez bien, nous sommes actuellement en rapport avec le Japon, c'est totalement incroyable mesdames et messieurs. Par contre ici je ne suis pas mais serein du tout, j'ai peur de décéder, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va réduire les dégâts de 50%, hein, parce que sinon je pense pas qu'on va survivre très très longtemps, et normalement le prochain tour on est censé avoir la transformation de Migaté, donc on va voir si ça va proquer ou pas. Déjà on va pas tarder à avoir la transformation debout, on va pas tarder à avoir tout plein de transformations en fait, hein, clairement je me prends une spé ici, alors par contre si je meurs dans un Dokkan Event les gars avec une team comme ça, c'est clairement que j'ai int, mais int pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire que j'ai feed. Et feed, si ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire que j'ai trollé, entre autres, j'ai nourri l'ennemi de mon âme, de mes personnages. Et donc du coup, c'est clairement pas ce que je cherche à faire actuellement dans cette vidéo. Mais ça va, on n'est pas mort en fait. Ok, ça va, on n'est pas mort. Je vais pas pouvoir utiliser de Senzu par contre, parce que si j'en utilise un, bah retour au-dessus des 50% HP, donc pas de transformation avec Migaté. Qui sera le premier à être transformé? Moi j'ai tendance à dire Gogeta et Broly. Et peut-être le Bou MF. Alors peut-être que le prochain tour on peut s'attendre à une triple transformation, les gars. Et s'il y en a vraiment une triple, ça serait vraiment énorme en vrai. Hein.
Et voilà, on commence directement par le Broly DBS, absolument magnifique. Oh là 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 là, quel flow. Quel flow. Ah, il y en a qu'un qui s'est transformé. Ah, c'est... Déçu et choqué, là, choqué, déçu, tu vois. C'est pas vraiment ce qu'on cherchait, mais anyway, pourquoi pas. Alors là, on va faire ça, et Broly DBS, maintenant qu'il est transformé, on en a plus rien à faire, hein. Clairement, les gars, maintenant qu'il est transformé, il peut partir en dehors des rotations, parce que moi, il me reste encore plein de personnages à faire partir en attaque spéciale. Heureusement que le Gogeta Blue, il a réussi à esquiver, parce que je pense qu'on aurait pris Bagdad ici, hein. Clairement, en plus, il a que une chance sur 4, il me semble, de mémoire, de pouvoir dodge. Donc ça va, on s'en est bien sorti ici, c'est plutôt fun, c'est plutôt cool, c'est plutôt chanceux pour nous. La boule mystique qui va être envoyée, d'ailleurs référence à DB Legends qui a sorti un Boobas Form qui est totalement, à ce qui paraît, éclaté contre le sol. Je l'ai pas droppé donc je saurais pas vous dire. D'ailleurs ça fait très longtemps qu'il n'y a pas de choqué sur DB Legends, mais faut croire que la hype sur Dokkan m'hype bien plus que sur Legends. Donc c'est normal. Ok Broly, c'est bien parce qu'en fait avec cette team, ce qui est intéressant c'est qu'on peut voir tout le temps en fait. Genre au lieu de voir plein d'attaques spéciales, des mêmes personnages, tout le temps les mêmes. Putain, ça y est, j'arrive pas à parler. En fait, ce que je veux dire, c'est que au lieu de voir, eh bien, 6 attaques spéciales différentes, on en voit 12 limite, vu que chaque fois qu'un personnage est transformé, eh ben, ça change d'attaque spéciale. Donc, c'est incroyable, en fait. C'est vraiment trop bien. Et là, on a le Bou ici. Il semble que c'est, ouais, le Bou Colo qui va rendre un petit peu plus tanky, le Bou Colo, quoi. Clairement, les amis. La transformation du Migaté. Mais c'est parfait. C'est parfait. Nous avons réussi à proquer 3 transformations actuellement, ce qui est plutôt très correct, hein, on va pas se le cacher, ça fait plutôt plaisir. Et donc du coup on va garder bien évidemment notre fameux Black Goku Intelligence dans notre rotation, qui va bien pouvoir réussir à scale et tout. En plus on va pouvoir voir son attaque spéciale qui va être magnifique. C'est la plus belle spé du jeu de toute façon, ça tout le monde le sait. Prochain tour, alors j'aimerais bien par contre que Vegeta Blue Evolution il puisse proquer sa transformation. Et il me semble que pour la proquer, Attendez. Parce que c'est même pas écrit. Je crois qu'il faut attendre un certain nombre de tours, mais c'est aléatoire en fait sa transformation. Et du coup c'est vraiment pas bon pour moi. Mais c'est pas grave. Vous savez ce qu'on va faire les gars, d'intéressant aussi, ce qu'on peut faire d'absolument très opti, c'est utiliser un item, là, à ce moment-là de la game, pour justement avoir la transformation en Buan, les amis. Eh oui, parce que si j'ai la transformation en Buan, eh bah, on a une transformation de plus, différente, donc c'est clairement incroyable. Et c'est ce qu'on veut. Bon là par contre il va régénérer, on s'en bat totalement les reins, double régénération, bien évidemment. L'aspect magnifique de ce fameux Black Goku. Ah là 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 là. Shinen Ingen. Incroyable, en plus il vient de mettre un critique alors qu'il a pas de doublon, merci son passif équivalent à celui du Trunks LR, absolument incroyable, Subarashi. Et là on a du coup l'art imparfait du Migaté. Ah non c'est pas l'art imparfait maintenant, c'est le Kamehameha. Il est vrai. Oh là 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 là, mais quel flow. Ok, ici on a l'aspect du Boukolo. Eh, ça fait longtemps que j'ai pas vu l'aspect du Boukolo. Et d'ailleurs c'est pas la première fois en fait en vidéo que je vois cette spé même. Il me semble que si, la transformation en Gogeta Blue, mesdames et messieurs, on va partir en spé évidemment avec lui, hein, parce que il a quand même un certain charisme, et ici la transformation à Buan, ah oh là 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 là, putain en fait ma vidéo elle est, putain le mec s'auto-félicite de sa vidéo, en fait ce que je voulais dire c'est que la team elle est pas mal en vrai, hein. Tu peux vraiment prendre du fun à tout transformer, par contre ça serait bien que je garde le Vegeta Blue Evolution et qu'on puisse proquer la transformation, parce que sinon j'aurais un petit peu beaucoup le seum. Alors ici on va partir en spé avec lui, bien évidemment, de toute façon on pourra pas faire le kill donc ça changera rien, et prochain tour on a la transformation si tout va bien avec mon Rosé. Et ça va être incroyable. Il reste plus que Vegeta Blue en fait. Si Vegeta Blue réussit à proquer sa transformation, on aura réussi le challenge de tout transformer ici dans l'équipe. Oh là 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 là. Non mais en vrai, j'arrête pas de dire que l'aspect de Black Goku elle est incroyable, mais en vrai, quand je me rends compte de tous les efforts qu'ils font, entre guillemets, Bandai sur l'amélioration du design des personnages au niveau de leur artwork et également au niveau des attaques spéciales, il y a eu un sacré glow-up, on dirait, moi, quand j'étais adolescent et que la puberté est arrivée et que je suis devenu légèrement plus stylé, mais à peine. Sur une échelle de 1 à 10, c'est pas énorme non plus, le up qu'il y a eu, mais c'est toujours ça, quoi. Enfin, bref. Super Ghost Kamikaze attaque. Cette spell est stylée aussi, hein. Le Buan, il a quand même un certain flow. Faut l'admettre, faut l'avouer, c'est vrai qu'il dégage une certaine aura, un certain charisme, mais jamais autant que celui-là. Oh là 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 là, le Black Goku Intelligence, les amis! Rosé agit. Rosé Intelligence transformée. Et ben voilà! Et ben voilà! On a eu ce qu'on voulait! C'est parfait! Nous allons pouvoir partir en attaque spéciale avec ce beau gosse. Et en fait, on va partir en attaque spéciale avec tout le monde.
Alors, ce qui va être bien et pas bien à la fois, c'est que imaginez deux secondes que je puisse pas proc la transformation avec Tableau Evolution au tour prochain et qu'il y a de fortes probabilités que je fasse le kill parce qu'il y a Gogeta Blue et justement Vegeta Blue Evolution. Ça va être un Dax là. Oh là 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 là. Ça se palait. Pardon, elle est magnifique. Et en plus, il a mis un sale crit. C'est énorme. C'est énorme. Migaté, j'aimerais bien qu'il mette pas de crit en vrai. Broly DBS, il pourra pas en mettre, il a pas de doublon. Non, par contre, pouvez arrêter avec vos critiques là, s'il vous plaît. Et toi, est-ce que tu peux esquiver? Eh bien, évidemment, mais en quelle année, genre, Migaté, il peut esquiver les attaques de Jiren, il esquive pas celles de BoMF? C'était improbable. C'était juste improbable, les amis. La catastrophe gigantesque. Ah ouais, lui, c'est un phénomène paranormal et naturel à lui tout seul. Paranormal et naturel. Ça ne veut absolument rien dire. Oh là là, on a réussi! Let's go! La transformation de Vegeta Blue qui a réussi à proquer. Eh bien, challenge réussi. On a réussi à proquer toutes les transfos. Et c'est absolument Subarashi, j'ai envie de dire. On va en profiter de partir justement d'attaque spéciale avec lui. J'aimerais bien réussir à ne pas faire le kill, ce qui va être, on va pas se le cacher, très très compliqué. Mais on peut toujours espérer. On peut toujours espérer, sachant que j'aimerais bien en fait le terminer pour pouvoir partir une dernière fois avec le Blagoku Intelligence en attaque spéciale pour le terminer. Mais à mon avis, là, les dégâts, ils risquent d'être sacrément élevés. Surtout qu'il a des chances de mettre un critique ici, notre Vegeta Blue. Pas parce que via son passif et tout, une fois transformé, hein, juste parce que j'ai un doublon sur lui. Et oui, nous avons des doublons sur ce Vegeta. Et ouais, mais aussi, mes Vegeta. Bon, il envoie son Final Flash. Ça va, c'est pas tous les jours qu'on peut voir sa mécanique de transformation plus son attaque spéciale. Après, Gogeta qui balance aspect pour terminer Boom Multiforme, un petit peu comme dans l'anime, hein, évidemment. Pas du tout. Mais ça va, ça reste stylé. Ça reste stylé. On en termine du coup avec un beau critique et c'est une fin digne d'un film, ça. Digne d'un film, les amis. Nous avons réussi notre objectif qui était de réussir à proquer toutes les transformations avec les différents personnages qui étaient intégrés dans l'équipe. Et ça fait plaisir. Je sais pas combien de temps on a mis par contre à réaliser l'event. A mon avis, on est en dessous la barre des 10 minutes. Après, peut-être que oui, peut-être que non. Et bien voilà, nous sommes presque à la limite des 10 minutes. On est à 9 secondes et 7 centièmes près. Mais on a réussi le challenge. C'était plutôt une vidéo chill. C'était pas une vidéo showcase ou quoi que ce soit. Vous avez vu qu'au niveau des rotations, c'est pas que la team elle marche bien. Mais une fois transformé, le Migaté il part obligatoirement en spec. Limite, bah, Broly Endurance, c'est toujours la même chose. Gogeta Blue aussi. Vegeta Blue aussi. Et le Boom Multiforme. Par contre, lui, il a un petit peu plus de mal. Mais bon, sans lui, cette vidéo n'aurait, je pense, jamais pu avoir lieu. Parce que bon, en lead catégorie. Ça aurait été difficile avec un autre. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez, eh bien, me soutenir gratuitement, le lien Utip se trouve dans la description. Et je vous souhaite à tous, comme d'habitude, une très bonne journée, une très bonne soirée. Portez-vous bien. Ciao, ciao!